La fouine va vous surprendre. C'est un petit mammifère carnivore d'Europe et d'Asie. Elle ressemble à la martre mais se différencie par sa tache blanche sous la gorge et la taille de ses oreilles. Son pelage est gris-brun et sa silhouette allongée. Son corps est élancé avec une petite tête, un museau fin et des pattes courtes. Elle mesure environ 50 cm. Sa queue touffue fait une vingtaine de centimètres. La fouine mue, son pelage semble terne. Pour s'exprimer, elle souffle et caquette. Elle marque son territoire par des bornes olfactives. Le mâle est plus gros que la femelle, son poids peut atteindre 2 kg à l'âge adulte. Celui de la femelle ne dépasse pas 1,5 kg. La fouine vit dans la nature, mais pas question de vivre à la dure dans la forêt. Elle est curieuse de tout. Elle adore l'entourage de l'homme, bien qu'il ne s'en aperçoive pas. Elle élit souvent domicile dans les confortables bâtiments agricoles, les greniers et les remises, pleins de cachettes et de recoins pour faire ripaille des rongeurs attirés par les débris végétaux et les graines. Si elle s'introduit dans les poulaillers, ce n'est pas la poule qui l'intéresse, mais l'œuf. Par contre, elle déteste l'agitation et la panique que crée sa présence, ce qui réveille son instinct et c'est le carnage. Elle égorge tout ce qui bouge jusqu'à ce que le calme soit revenu. Elle peut laisser sur place ses proies mortes ou les emmener en les traînant jusqu'à son lieu de vie. Elle couvre les œufs du regard en pensant déjà au festin qui l'attend. Le pillage commence. Elle serre l'œuf délicatement entre ses quatre canines pour le garder en bon état jusqu'à son repas. Quel dommage que ce soit le dernier. Elle attaque son repas sans plus attendre. Seule trace de son effet, les coquilles vides. Elle s'est grimpée aux arbres et redescend toujours la tête la première. Les œufs de petite taille sont mangés sur place tandis que les plus gros sont transportés. Elle apprécie aussi les fruits, les insectes, les vers, etc. et les restes de l'homme. Tout cela constitue la base de son alimentation. Sa ration journalière de nourriture est de 120 à 150 grammes, environ un dixième de son poids. Elle possède 38 dents, dont 18 sur la mâchoire supérieure et 20 sur l'inférieure. Chaque patte possède 5 doigts munis de petites griffes non rétractiles. 4 doigts sont toujours visibles, le cinquième légèrement ou pas du tout. Les griffes sont bien marquées dans le sol. L'espérance de vie de la fouine est d'environ 10 ans à l'état sauvage et 18 ans en captivité. Elle ne fréquente ses congénères qu'en période de reproduction.
La période d'accouplement se déroule de juin à août. La femelle mettra bas au printemps. Pour faire connaissance avec la fouine, il faut attendre la belle saison lorsque les petits sont nés. Elle va donner naissance à une portée de 3 à 4 petits qui sont aveugles et totalement dépendants de leur mère. Ils pèsent environ 30 grammes. Après la mise bas, la femelle ne quitte pratiquement plus le nid qu'elle a aménagé. Elle rentre bien avant le lever du jour. Le sevrage va durer 2 mois. Il est relativement lent. Ensuite, ils accompagneront leur mère dans tous ses déplacements. Lorsque les jeunes commencent à absorber de la nourriture solide, la mère rapporte des proies en moyenne 5 fois par nuit. Un peu plus tard, ils peuvent être déménagés toujours un par un vers d'autres abris. Encore plus tard, ils jouent dans la journée, se déplacent seuls et se mettent à chercher leur pitance. Quand la mère chasse pour leur compte, elle les prend individuellement avec elle. L'âge de la dispersion se situe aux alentours de 5 à 6 mois. La majorité sexuelle est atteinte en général la 2e année. La toilette et le sommeil se font en groupe. La mère, lorsqu'elle est au repos dans son gîte, est toujours accompagnée d'au moins un de ses jeunes. Les dégâts qu'elle occasionne peuvent être importants. Pour élire domicile dans un grenier, elle peut faire un passage dans un avant-toit quand la situation lui permet. Un trou de 4 à 6 cm lui suffit pour passer. Elle peut aussi saccager l'isolation d'une maison. La fouine adore le caoutchouc, le plastique et les gaines de fil électrique, aussi bien dans un grenier que sous un capot de moteur de voiture, et peut aller jusqu'à les couper. Côté loisir, elle aimerait bien jouer au foot. Mais ils sont mauvais joueurs. C'est un petit prédateur solitaire mal aimé qui vit surtout la nuit. Elle dégage une odeur désagréable. Elle participe à la régulation des rongeurs. Son territoire s'étend sur environ 5 km² en fonction de la quantité de proies disponibles. Elle s'y déplace par bond à la vitesse de 5 km/h et peut aller en cas d'urgence jusqu'à 15 km/h. Durant la nuit, les périodes d'activité de la fouine durent de 1 à 4 heures et sont interrompues par des phases de repos. En milieu naturel, le renard, le blaireau, les corbeaux et le hibou grand-duc sont ses principaux prédateurs. La fouine peut être classée nuisible, mais il appartient à chaque département d'en décider par arrêté préfectoral. Et maintenant, un repos bien mérité.